parti pour cette première période. Et Bilbert ramasse la balle. Il y a la démonstration présente, qui est de Bilbert à rentrer dans son camp. Le demi-tour est fait. Ça monte, et malheureusement ça passe à côté. Mais c'est tout de suite récupéré par Ferreira, qui rentre dans son camp. La balle à Kerr. C'est toujours l'équipe de Villers qui relance son action. Malheureusement, ça chute le cheval, ça tombe à terre. Et c'est récupéré tout de suite par Villers qui va repasser trois passes tranquillement afin de pouvoir aller au but. Et ça tombe encore à terre. Chloé nous récupère ce ballon. Deux passes. Et les trois passes sont effectuées. Et à nouveau en selle. Et Kerr a été recherché la balle. Il va falloir refaire les trois passes. Dans cette première période. Et c'est Julie qui nous fait l'engagement. Les trois passes sont effectuées du côté de Mâche. Et malheureusement, ça passe. Oh, dommage. Du cerceau, c'est un temps. Le temps qu'on aille récupérer le ballon. Le ballon a été récupéré. C'est une P3 pour l'équipe Valse de l'hiver. Les trois passes sont effectuées. On est beau du souvenir, on décide de rentrer un peu. Et le demi-tour a été très vite. On va défendre le demi-tour. Malheureusement, la balle se maintient. C'est dommage, on est beau sur le souvenir. Malheureusement, la balle a tenu par terre. Le regard marche. Et c'est Hilbert qui se présente. Et qui récupère ce ballon qui rentre dans son coin pour construire son action tranquillement.
tandis que la mouche de mâche vient les embêter. Ça remonte au terrain tranquillement. C'est tout, et qui marque ce deuxième but. Temps mort pour mâche. Du côté de mâche. Non, c'est bleu. Récupéré. Ah oui, c'est bleu. Ça, c'est le speaker qui a induit les cavaliers dans l'erreur. C'est boxé côté bleu. Oui. Les papas sont effectués du côté de mâche. Ça remonte très vite sur le terrain, malheureusement. La balle est à terre. Et ça remonte très vite du côté de l'hiver. La carrière est au bas, bloquée par la défense de mâche. Décide de faire le tour pour reconstruire son action. Tour effectué, on se met la semaine. Et ça va, ça va. Et c'est là le film, et c'est très bon pour l'hiver. Les supporters de mâche, il faut réagir, encourager votre équipe. Allez mâche, on vous écoute. Les supporters de l'hiver, on ne vous entend pas non plus. Il reste 3 minutes dans cette première période. Et c'est Océane qui va remettre le petit ballon d'eau. Trop long. Fait 3 verres. On repartira sur une fait 3 pour la lumière. Car le marqueur n'était pas droit. Qui a la balle, qui est pensé par la défense de mâche et qui prépare entre. Et malheureusement, la balle est à terre. Et nous allons repartir sur le traverse. Car il y a eu un travers du côté de mâche. Sur quoi? Il y a un cheval qui a voté. Pas vu.
Oui. Le cheval là-bas dans le gris, tu as toi beauté, mais. Il reste clair ici, le mec. Si tu pas de capteur, je crois pas. Il a rassuré le but et il a rassuré. Il a dit tout à l'heure. Il a pas de capteur à dans l'espace. Dommage. Dans les papiers. Une erreur de trajectoire de priorité. Et c'est la fin. Qui fait la passe à la vidéo, qui lui repasse la balle. Les trois passes sont effectuées du côté de gauche. Malheureusement, ça tape une balle, un balle est à terre. Mache récupère le ballon. Un bassin temps pour construire. Sans action, malheureusement. La balle est à nouveau à terre, mais Alex l'a récupérée. Les trois passes doivent être à nouveau effectuées afin de pouvoir se diriger vers le but. Alors nous allons repartir sur une P3 vert. Un petit peu plus de 2 minutes suffisent dans cette deuxième période. Et les trois passes sont effectuées. Vert remonte le terrain. Mais la défense de Mâche est bien soulevée. Gilbert a toujours la balle. Et Claire est coincée sous le but, elle ne peut pas tirer. Elle décide de rentrer. À chaque fois la défense du Mans c'est bien présente. Qui a donné l'équipe de Wilbert 1 à partir d'un champion. Et ce sera une P2 du côté de Wilbert. Défense les bleus. Tout le monde dans le même sens les verts là. Ah oui, tous dans le même sens, d'accord. Voilà. Ah
Donc on va refaire la prise. Voilà, il est rappelé qu'en P2, voilà, sur la P2, les joueurs doivent être tous dans le même sens. Même si l'attaque décide de repartir chez elle, la défense doit être dans le même sens que l'attaque. Elle ne peut pas être à l'envers. C'est pour ça qu'on fait recycler la P2. Merci pour ces explications, monsieur Denis. Donc nous repartons sur une P2. De l'hiver. Du côté de ma chaise qui sont effectués. On va dire qu'il y a l'arrivée. Malheureusement, la défense de l'hiver est bien présente, ce qui invite l'équipe à rentrer dans son camp. Garde-la, garde-la, garde-la. Je suis remonté très vite. Oui, Alex. Le score est 2 à 4. Et c'est clair qu'il nous fait la remise en jeu. Si son cheval est bien se positionner. Et c'est une chute de fer. Arrachage. Ballon plus cavalier. Dommage. Les passes sont effectuées du côté de l'arche. Il nous reste 100 minutes dans cette deuxième période. Ah, au-dessus. Bien défendu. Coupé la passe. Mais la défense de ma chaîne présente à Raphaël. Oui, parce que là, il y a deux bras en plus. Hein. Deux bras, d'épaule, de tête. C'est la numéro 7 qui nous marque celui-ci. 3-4 pour le score. Yeah.
Oui, c'est bien. C'est le nom de l'égalité pour le moment et c'est un tomeur qui est demandé. J'ai pas ramassé cette balle. Papa se sent effectué du côté de l'hiver. Il s'est bien remonté vers un peu sa femme. Malheureusement, ça t'a fait faire. C'est reparti. Et ça rentre. Et c'est tout à l'équilibre. Il manque ce soir qu'il est pour l'hiver. C'est pareil, on est coincé sous le but, on est obligé de revenir dans son camp pour avoir cette transformation. Il nous reste 1 minute 25. Allez, 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 il est coincé sur le boudin, le ballon, c'est l'arbitre. Il nous reste 4 secondes dans cette deuxième période. Et